Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être gros changement chez mes cochons d'Inde. Enfin, big changement chez les cochons d'Inde. Je vais plutôt mettre chez les chiens pour que ça prend pas beaucoup de place. Plus nouvelle, plus évolution des bébés. Voilà. Et plus gestation. Enfin, je vais mettre beaucoup de trucs dans la même vidéo. Alors... désolé si vous entendez du bruit, c'est Rio qui est là-haut, qui arrête pas de faire du boucan et tout. Voilà. Et sinon, bah les autres, ils sont comme d'habitude ici. Voilà quoi, des perruches quoi. ils s'amusent. Alors, voli-volou, on va commencer tout de suite par l'environnement, le nouveau environnement de mes cochons d'Inde. Alors, premièrement, bon là, c'est toutes mes souris et tout. Je vous ferai une vidéo largement plus tard. Et là, il y a aussi deux mâles qui sont ici. Or, voilà. Je vous ferai des vidéos plus tard de mes souris. Parce que là, bah, c'est pas le thème de la vidéo, tout bêtement. Alors, premièrement, là, nous avons un reste de carottes avec la cabane que j'ai fabriquée. Plus là, l'espace mangé. Et là, normalement, je mets légumes et tout dans des assiettes et tout. Ensuite, on avance encore. Et là, on a la cage de Blacky. Blacky est dans la cabane. Mes perruches sont folles. Hein. Voilà, avec foin et tout. Là, on a l'espace foin que j'ai mis sur une grille. Bon, là, il y a des pierres. Voilà. Ça peut pas tomber, hein, vous inquiétez pas. Je peux taper dessus, ça tombera jamais. Alors, ça va pas leur tomber dessus. Alors, là, nous avons un râtelier. Et là, on a la boule à foin que Lison m'a offert. Là, on a. Ah. Là, on a ma mocha. Qui a faim. Oui, Mocha. Là, on a Saphira. Après, on a un pot en bois. Une autre cabane. Et là, l'espace préféré de mes cochons d'Inde femelles. Qui est, tout bêtement, un bac à litière. Avec là, c'est un truc que j'ai trouvé. Et en fait, j'ai mis du foin dedans. Et elles adorent être dedans. Les deux bébés de Love. Le bébé de Aurore. Et Love. Voilà. Et ici, on voit... ah, on voit trop bien. Ah, trop bien, je suis trop content. Et là, c'est l'espace des mâles. Alors, et les filles. Alors là, il y a mes trois mâles. Quatre mâles, désolé. Il y a Bruni, Bounty, Chamallow qui est là. Et Zephyr qui est là. On voit pas très bien. Ils ont une cabane double étage, encore des légumes. Un tuyau, un pot en bois, un truc pour grimper, et là ils ont un autre truc pour grimper. Gamelle de nourriture qui est vide, gamelle d'eau. Là, une cabane, et là-bas il y a le foin. Voilà l'enclos des mâles. Je vous le présenterai mieux dans une nouvelle vidéo. Voilà, là il y a mes malous. Ah là, il y a Zephyr qui est monté sur le pot en bois. Enfin, un truc en bois. Voilà, ils sont tout propres. Et là-bas, ils ont leur gros tas de foin. Vu que je peux pas accrocher de râtelier. J'espère qu'on m'entend bien avec tout le people qui gueule de partout. Voilà, bah là on a Bruni qui est en bas. Là on a Chamallow qui est en haut. Bounty qui est là. Et Zephyr, je sais pas où il est. Alors là ils sont impatients parce que je vais leur donner de l'herbe. On a Bruni qui fait dodo en bas. Bruni qui est le père des deux portées. Que j'ai rajouté au groupe. Et qui s'entend super bien. Si vous voulez une vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire. Ah oui, et les deux frères adorent se courir après. C'est leur passion. Voilà. Et ils dorment toujours ensemble. C'est trop drôle. Regardez mes deux grosses morphales. Alors, qu'est-ce qu'il y a les filles? Et les bébés? Hop, le foin. Gamelle 2, gamelle... je vous fais un gros aperçu de loin. Ça donne tout ça. Pour mes cochons d'Inde. Et elles sont propres. Hein, elles font pipi caca que à un endroit. Voilà, je ne veux pas vous montrer l'endroit parce que c'est un peu pas très glamour. En mode, hé, c'est là qu'ils font caca. Alors voilà. Oui! Je sais que vous avez faim, mais vous allez attendre un tout petit peu. Sinon, elles peuvent zigzaguer entre les bin cages, elles peuvent aller ici,
Là, j'ai bloqué ou qu'il y a les perruches pour pas que elles puissent manger le caca ou je sais pas quoi. Genre, voilà, qu'il y ait des problèmes. Là-bas, c'est fermé également. Là, c'est encore le rangement à mon père. Genre, j'ai mis ça à la wall again. Là, il y a une lumière. Voilà. Et là, il y a les mâles. Là, il y a Blackie. Voilà, tous mes cochonnades sont ici. Alors, elles ont pas énormément de cabanes parce que on peut voir que mes femelles cochons d'Inde s'en foutent totalement des cabanes. C'est plutôt mes mâles qui aiment les cabanes, mais les femelles sur ma chaussure, YOLO. Ça va les filles? Or, elles me suivent partout dans le bâtiment, c'est un truc de malade. Alors voilà, elles ont un bâtiment que pour elles. Pourquoi j'ai pris cette solution-là? Bah parce que je commence à avoir pas mal de cochons d'Inde femelles. Et les mâles, bah, dans le grand parc là. Et je me suis dit, c'est plutôt pratique. Alors, vous allez me dire pourquoi je prolonge pas là encore. C'est parce que j'attends que le bordel de mon père il mette ailleurs. Et comme ça, bah, mes mâles ils auront la moitié, les femelles la moitié peut-être. Je verrai bien. Mais là, pour l'instant, j'ai plus de femelles avec les bébés que de mâles. Et j'ai pas retrouvé des palettes et tout pour faire le plus. Voilà. Parce qu'en fait, je cache là pour pas qu'ils voient les femelles et pour pas qu'ils se battent ou ils recoulent. Voilà, ils font les shows aux patates. C'est pour ça. Mais sinon, si vous avez vu, leur parc est plutôt pas mal. Et ils ont beaucoup de place, hein, ils peuvent courir. Ça change des cages d'animalerie, on va dire. Alors voilà, en plus, après on va parler de la gestation de Saphira. Alors, Saphira qui est là. La grosse peau de colle. Saphira. Saphira, viens là. Là, viens, Saphira. C'est bien, ma fille. Oh là, c'est les pierres que j'ai mis là, mais bon. Saphira, là. Pff, t'es grave, ma fille. Or, Saphira qui est là-bas, qui se barre. Eh, viens. Bon, bref. Saphira qui va très bien. Comme on peut voir, son ventre, il est quand même pas mal gros. Elle a environ 2, 3, 4 bébés. Je sais vraiment pas. Je suis très mauvais là-dessus. Hein. Tiens, là, on a le bébé... La petite femelle avec l'autre femelle de Aurore. Tenez, je vais leur mettre leur assiette d'herbe. Tiens, ma grosse. Love qui arrive en courant. Allez, les filles. Viens, Aurore. Oui. Hop, la petite femelle aussi. Et reste le petit Malou qui est là. Voilà en gros mon bâtiment. Bon là c'est l'espace des mâles. Là on a Blackie. Après voilà on a un peu tout le monde. C'est fort sympathique. Alors là je leur ai donné un tout petit peu d'herbe. C'est pour les faire patienter. Hein. Là on a mon petit bichon qui mange encore de la carotte. Oh qu'est-ce que tu fais? Alors voilà comme on peut voir il a bien grandi. Lui c'est un poil lisse. C'est pas un rex. Alors, petit père, qu'est-ce que tu fais? Il se gratte. Et pas en courant. Or, bah maintenant, c'est des extrudés, hein, bien sûr, à cochonnade. Et là, bah, de l'eau. Que faut que je change, elles l'ont dégueulassé. Le point en bas. Sinon, bah... Oui, les perruches sont folles. L'autre, il se tape des sprints de vol. Laissez tomber. Alors, voilà, voilà. Bon, là, on voit que... Il y a toute la troupe, bah les 4 femelles plus les 2 bébés de Love, et le bébé de Aurore, je sais pas du tout où il est. Et si vous avez pas vu, allez voir la vidéo surprise, la présentation du bébé d'Aurore en gros. Aurore a eu un bébé et tout, allez la voir après. Et là je vais vous montrer Black Black, vu que vous avez eu des nouvelles de tout le monde. Alors mes mâles, ils vont super bien. Bah comme d'habitude ils s'entendent tous très bien. À part Blackie parce que bah il a plus d'un an maintenant. Et j'ai pas envie de le mettre avec les jeunes mâles. Parce que lui c'est plutôt un mâle tranquille. Un pépère quoi. Il s'en fout des autres. Là je vous filme les femelles pendant que je sors la cabane de Black Black. Allez Black Black. Il essaye toujours de monter dans son râtelier. Voilà. Sa cage a été faite hier, hein. Mais il a eu de l'orange et tout. Alors, Blackie, comment vas-tu?
Blacky. Il est dans une petite cage pour l'instant. Parce que là, je suis en train de fabriquer une sorte d'enclos pour qu'il aille en enclos. Et sinon, bah, avec les grilles, et bah, il voit tout le temps les femelles et tout. Alors, ça l'occupe et au moins, il est pas tout seul. Et c'est vraiment cool pour lui. Il a bien grossi. Alors, lui, son délire, c'est de mettre toujours ses pattes sur le grillage et tout. Faire son grand, faire son beau. Blacky, quoi. Alors, il a l'eau. Faut que j'aille toi aussi. Ses extrudés. Il a eu de la carotte. Ah là, ça t'intéresse, hein. Et il a eu aussi de l'orange qu'il a tout mangé. Voilà Blacky. Et lui, bah, il est toujours un peu timide. Hein. Blacky. Non. Voilà, c'est un fou. Il adore essayer de grimper là-dedans. Je sais pas pourquoi. Là, on entend Zéphyr qui recoule. Je vais te remettre ta cabane, loulou. Pousse ça. Regardez. Ce cochon-là, il est fou. Viens, mon mec. Ah, c'est mon petit mec, ça. Enfin, mon gros, maintenant. Il est sur moi. Je sais pas comment vous le montrer, mais... Alors là, il est en train de perdre ses poils. Le, genre, les femelles, elles ont fait n'importe quoi, là. Hop, je le mets sur la chaise. Sur la chaise. Voilà, mon petit Black Black. Ça fait plus d'un an que je l'ai maintenant. Enfin, il a plus d'un an aussi. Voilà. Enfin non, ça fait pas plus d'un an que je l'ai. Ça va bientôt faire un an que je l'ai, mais lui, en âge, il a plus d'un an. Vu qu'il avait environ 1 à 2 mois de plus que sa Shira. Enfin, moi, j'arrêtais pas de dire qu'ils sont nés en même temps. Mais... Mon tabouille. Voilà le petit loup. Alors, si vous entendez les souris, c'est les mamans qui allaitent les bébés et tout, vu que j'ai eu des mauvaises aventures avec mes souris. Bref, en plus, j'ai une blanche que j'ai sauvée qui était gestante et tout. Bref. Je vous ferai la vidéo des souris bientôt. Vu que, voilà, et des conseils souris, etc. Ah là, c'est la roue qui queen. Ouais, j'ai une roue qui queen énormément, c'est vraiment chiant. Voilà, bref. Et puis voilà. Là, j'ai remis Blacky, il est directement allé dans sa cabane, vu que lui, c'est un pépère très cool. Enfin, il aime pas être dérangé, quoi. Enfin, voilà. Là, je sais pas si on va voir. Là, la cage de Black Black. Là, j'espère que vous voyez les mecs. Voilà, les petits gars. Alors là, bah, on voit bien. Bruni. Là, on voit bien. Zéphyr. Là, on voit pas très bien Bounty. Et on voit pas très bien Chamallow. Mais voilà. Alors, aucune tension, hein. Tout le monde, peace and love. Tout va bien. Quelquefois, ils aiment bien se chercher, se courir après, mais sans plus. Sinon, ils dorment tous ensemble, ils vont très bien. Là, les dodos des femelles. Hop, la cabane. Le bon bas que j'ai déplacé. L'espace foin. L'espace nourriture. Et là, elles en ont foutu plein par terre. Mais n'importe quoi, ces meufs. Hein. Et là, bah, je peux pas vous faire l'évolution des bébés. Le bébé de Aurore, parce que je sais pas où il est. Alors. On va avancer sans trop faire peur aux peureuses. Parce que. J'en ai quelques-unes qui sont peureuses. Enfin, dont. Aurore et Love qui sont un peu plus réservées. Ah bah les deux petites, elles sont là-bas. Oh ouais, elle est un peu dégueu. Mais... Là. Je sais pas si vous les voyez. Bah il y a la petite de Love qui a les yeux bleus. Et la petite à Aurore. Ah ok, parce qu'en fait... Soleil est dans le nid, alors l'autre il chante. Alors là, on voit le petit mâle, qui est ici. Alors, je vais vous faire des évolutions des bébés vite fait. Hein. Alors, bah le petit mâle va très bien. Comme vous voyez, il dévore l'herbe et tout. Alors, lui, c'est un poil lisse. Voilà, son poil, c'est le même que, bah, les poils lisses. Il n'est pas rex. Il n'est pas du tout comme... comme Saphira, enfin il a la même couleur mais il a pas le même poil.
Voilà, en gros, il est trop beau. Il est tout petit encore. Voilà. Oh bah faudra qu'il grandisse quand même pas mal avant que je le sépare des femelles. Vu que là il est encore tout petit. Surtout si t'es le plus petit de la portée, alors voilà. Après bah là bah on a Mocha. La grosse Saphira qui est encore gestante. La bah Aurore qui est plus du tout gestante vu qu'elle a eu son bébé. Et là on a Love. Je vais vous sortir les deux autres pour vous faire un peu les évolutions et après voilà, ce sera fini. Pour terminer, des nouvelles du bébé de Aurore. Voilà, là on le voit enfin. Et aussi de la petite femelle aux yeux bleus. Ah là, on a vu ses yeux bleus. Alors voilà, la petite femelle, la sœur du petit mâle, va très très bien également. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et vite fait, la petite là qui part. Voilà, vous l'avez vu quand elle était avec sa maman. Là, elle part là-bas. Elle est très timide hein, pour l'instant. Bon là on voit la cage des deux mâles souris, mais bon c'est pas très grave. Mais elle est super timide. C'est un truc de malade la petite louloute. Ah bah non pas trop en fait. Regardez là. Voilà. Elle va voir bah, sa maman et tout le monde. Et la petite femelle là. Qui a peut-être goûté de l'herbe et tout. Hop. Alors elle adore Saphira. Voilà. Regardez là. Diamant qui fait n'importe quoi. Bon, quand Diamant est parti en volant, là, ça fait peur à la petite. Allez là. Coucou bébé. Et la petite femelle, la dernière née, le bébé d'Aurore, va super méga bien. Très 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 indépendante. Elle est super. Elle grimpe dans le bac à litière là-bas, haut les mains. Là-bas là, elle monte dessus trop facilement. Enfin, c'est une king. Elle est trop forte. Regardez là, Yaki. Il y a mon petit pot de colle. C'est un pot de colle, mais laissez tomber. Il me suit presque partout, quelquefois. Enfin, c'est un vrai pot de colle. Contrairement à la femelle, elle, ça dépend. Regardez, elle va se barrer vers l'ébine cage. Sa maman vient, hop. Vous voyez, elle est hyper grande. Parce que là, les bébés là, ils ont 24 jours et quelques. Et elle, là, la petite, elle a que 4 jours. Vous voyez la différence de taille? Enfin, elle est juste super grande, quoi. Vu que c'était la seule de la portée, bah, ça explique un peu tout. Et voilà, quoi. En gros, elle est super, super grande. Voilà, là, les perruches, elles se sont calmées. Alors, voilà la petite bébé. Et les autres. Et leur grand espace. J'espère que je vous ai très très bien montré tout. Que j'ai pas oublié quelque chose, normalement non. Sinon il y a des petits endroits où elles aiment bien aller et tout, mais voilà. Là on a... Mocha. Ah bah, elle veut se montrer pile à la fin de la vidéo. La petite comique. Ah là là. Elle adore Saphira la petite, hein. Franchement... Elle va retourner avec sa maman. Ah bah sa mère est au bac à litière en fait. Ouais. Hop les grosses elles y vont. Elle fait n'importe quoi. Tata Mocha va la voir et tout et tout. Voilà. Voilà voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et à plus pour des prochaines vidéos. Bye tout le monde.